Vous êtes l'auteur d'un film unique au monde. Tourné en trois dimensions et raconté par votre voix intérieure, ce film est celui de votre conscience. Tissé de souvenirs et de sensations qui n'appartiennent qu'à vous, ce récit intime, privé, incommunicable, est en train de devenir un objet scientifique. Dans la plupart des cultures, l'oiseau est la métaphore naturelle de l'âme. Mais peut-on observer la conscience comme on observe les oiseaux dans les documentaires animaliers? Qu'est-ce que la science peut dire de ce jeu, de ce moi, qui fait l'expérience de la vie et du monde? Je suis là. Je regarde l'océan. J'entends le bruit des vagues. Je ressens la température. Et je ressens aussi quelque chose en plus. Je ressens du plaisir, du bien-être. Et tout cela forme une émotion. Ce qu'est la conscience en ce moment pour moi, c'est l'assemblage de toutes ces différentes parties. Et curieusement, ce qui donne son unité à la conscience provient très probablement du fait que tout cela m'arrive à moi. Cela se passe dans mon corps. Être conscient, c'est vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de notre corps. La composante vraiment fondamentale, c'est la sensation de notre intériorité. Sans ça, pas de conscience.